Et bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le décompte des combats au sabre laser les plus incroyables. Le top 10 des duels au sabre qui, à mes yeux, sont les meilleurs. Ceci étant dit, commençons. À la 10ème position. Premier combat de toute la saga, nous avons Obi-Wan contre Vador sur l'étoile de la mort. Pour cette liste, j'ai dû faire des choix, et beaucoup de combats que je ne citerai pas dans cette vidéo sont pourtant bien plus cool à regarder que celui-là. Mais j'ai décidé de lui offrir une place dans ce classement pour la simple et bonne raison que c'est grâce à lui que la mode des duels au sabre laser a été lancée. Donc il me semble normal de commencer avec lui. En 9ème, nous retrouvons Luke contre Vador, issu de l'épisode 6. Ce combat est la concrétisation de toute la trilogie originale, car on y voit enfin Luke affronter son père, le Jedi accompli affronter le Sith. De plus, c'est la première fois qu'un sabre vert et qu'un sabre rouge s'entrechoquent. Seul petit hic, le combat est moins intéressant que celui de l'épisode 5, du fait que Luke esquive son père, refusant de se battre contre ce dernier et de finir entre les mains de l'empereur. Ce qui nous amène au prochain duel de cette liste. À la 8ème place, nous avons donc Luke contre Vador, mais cette fois-ci sur Bespin. Certes, Luke est alors beaucoup moins puissant qu'il ne le sera dans l'opus suivant. Mais son agilité, sa fougue et sa ruse lui permettent de tenir tête au Seigneur Sith pendant un certain temps. Les plans de ce combat, à couper le souffle, sont mythiques et en font le parfait candidat pour cette place des plus honorables. Pour occuper la 7ème place de ce classement, j'ai choisi l'époustouflant duel opposant Maul et Savage Opress à Dark Sidious, issu de la saison 5 de The Clone Wars. Alors que les deux frères Zabrax se tiennent prêts, Sidious dégaine deux sabres laser et s'ensuit un combat dantesque au-dessus de toute espérance. C'est lorsque Maul sort le célèbre sabre noir faisant de lui le chef légitime de Mandalore que l'affrontement s'achève en beauté. Une véritable démonstration de puissance pour le seigneur noir des Sith, Dark Sidious. À la 6ème position, nous retrouvons le combat voyant s'affronter Maul et Qui-Gon Jinn, secondé par son élève Obi-Wan Kenobi. C'est avec ce combat que débute réellement la prélogie. Son rythme effréné offre une version assez intéressante du palais de Naboo, les duellistes se déplaçant à travers tout le complexe. Petit plus, mais toujours intéressant à souligner, c'est la première fois qu'un combat au sabre comprend 3 personnes. Cela nous introduit aussi le personnage de Maul, armé de son célèbre et révolutionnaire double sabre, et avec lui toute la race des Zabrak. Bien que l'immense potentiel de Dark Maul ait été gâché dans ce film, il a largement été remis en valeur dans les deux séries animées The Clone Wars et Rebels. À la 5ème place de ce classement, nous avons Rey contre Kylo Ren dans la forêt de la base Starkiller, issue de l'épisode 7. Ce combat a tout pour plaire, un environnement unique et jamais vu, une chorégraphie impeccable qui met bien en avant les deux personnages et leur potentiel pouvoir pour la suite des films. Et surtout, une prise de vue de nuit, faisant ressortir à merveille les couleurs des sabres laser. La puissance brute et indomptée pour le maître des chevaliers de Rennes et la ruse ainsi que la maîtrise du combat rapproché pour la jeune pilleuse d'épave. En 4ème position,
Nous avons de nouveau Rey contre Kylo Ren, mais cette fois-ci leur duel sur les débris de l'étoile de la mort, issu de l'ascension de Skywalker. Ce combat est vraiment unique en son genre. Pour une fois, aucune musique, simplement les bruits des sabres laser qui s'entrechoquent. Les coups sont d'une violence inouïe, et les deux utilisateurs de la force, liés par une dyade, ne parviennent pas à prendre l'avantage. Malgré tout, c'est bel et bien Kylo Ren qui s'en sort vainqueur de par sa maîtrise incroyable du sabre laser et le contrôle de ses émotions qu'il n'avait pas encore acquis lors de son premier duel face à son alter ego Rey. À la troisième place, nous avons le duel Maul contre Ahsoka sur Mandalore, issu du dernier arc de l'ultime saison de The Clone Wars. Alors là c'est beau, là c'est du lourd. Les vitres du palais explosent autour des deux personnages qui se lancent alors dans un combat sans merci. Un affrontement visuellement parfait, puisque réalisé en motion capture par notamment Ray Park, acteur de Maul dans La Menace Fantôme et dans Solo A Star Wars Story. Digne des plus grands films Star Wars. La médaille d'argent est attribuée au combat entre Dark Vador et son ancien apprenti Ahsoka Tano, issu du final de la saison 2 de Star Wars Rebels. Aussi bien visuellement qu'émotionnellement, ce duel est un de ceux m'ayant le plus touché et marqué, Anakin ayant même refait surface en Vador durant un très court instant, preuve du lien très fort qu'il avait tissé avec sa Padawan durant la guerre des clones. Les répliques sont mémorables et donnent encore plus de profondeur à l'affrontement au beau milieu du temple Sith de Malachor. La médaille d'or revient selon moi au duel Obi-Wan contre Vador sur Mustafar. Et je dis bien Vador car on ne peut plus parler d'Anakin Skywalker. Ce combat reste malgré tout indétrônable. La chorégraphie est splendide, l'émotion est là, et même encore plus en ayant vu The Clone Wars. Bref, c'est le combat dantesque par excellence. Il s'appuie évidemment beaucoup sur son environnement, on peut le dire, fusion, concluant en beauté et dans des décors époustouflants cette fameuse prélogie. Et voilà, c'en est tout pour ce top 10 dédié au meilleur combat au sabre laser. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me mettre vos tops dans les commentaires. Sur ce, c'est à vous, et moi je vous dis à plus.